Le ministre Pierre Fitzgibbon a fait grand bruit récemment, hein, en affirmant que les Québécois étaient les derniers de classe en matière de consommation d'énergie. Un nouveau sondage léger révèle qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, mais pas question de payer davantage. Claudie Côté. Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d'énergie au monde, résultat de bas prix et d'une ressource disponible en abondance. J'ai l'impression que comme on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, on consomme beaucoup d'électricité, on ne fait pas forcément attention. Mais ils sont de plus en plus enclins et conscients qu'ils devront mieux consommer. Le sous-sol, je le tiens à 18. Je le monte jamais bien plus haut. Mais j'ai une thermopompe qui ne consomme pas trop d'électricité chez nous. Pour décarboner l'économie, Hydro-Québec devra doubler sa capacité dans les prochaines années. Alors que le Québec est à l'heure des choix, 77 % des Québécois croient qu'ils devront faire des sacrifices. 64 % d'entre eux sont prêts à le faire. On ferme la lumière, on l'allume juste ceux-là qu'on a de besoin quand on est là, puis c'est tout. Là. On fait attention aussi à la consommation quand on fait le lavage. Éteindre une lumière, c'est pas un sacrifice quand on quitte une salle. Donc, de ce côté-là, c'est certain qu'il y a de la marge pour réduire un peu notre consommation sans changer notre mode de vie. Par contre, les tarifs vont augmenter parce qu'on doit construire, et on a vu Hydro-Québec un plan d'action avec un investissement de 185 milliards de dollars, mais il va falloir le payer, cet investissement-là. L'augmentation des tarifs d'hydroélectricité est-elle un passage obligé? 83 % des gens sondés estiment qu'il s'agit d'une mauvaise mesure. C'est assez dissuasif d'augmenter des tarifs. Forcément, c'est les gens qui ont les plus faibles moyens qui vont se retrouver... À devoir se chauffer autrement. Moi, je trouve que c'est assez préoccupant. Donc. Les Québécois semblent prêts à réduire la durée de leur douche, baisser la température du chauffe-eau ou de leur résidence et débrancher les appareils peu utilisés. Mais en contrepartie... Chaque citoyen a sa responsabilité, puis j'espère que les grandes compagnies vont faire autant. 64 % estiment que de mettre fin aux tarifs préférentiels des grands consommateurs, comme les alumineries, est une bonne mesure. On nous dit qu'on consomme trop, mais on attire des industries énergivores auxquelles on donne des rabais substantiels. Donc, on ne peut pas faire payer aux Québécois le fait d'attirer des industries qui vont consommer beaucoup d'énergie. Il faut s'y mettre, il faut y arriver. On est rendu là. Alors, je compte sur vous pour diffuser la bonne nouvelle. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.